Hello, je vous retrouve après ce salon. On a commencé le vlog par le salon Coquelicot Noir. Je passe mon temps à dire que c'est noir sur or, mais ce n'est pas du tout. C'est le salon Coquelicot Noir à Nemours qui a donc lieu fin janvier et c'est un salon polar. À ne pas confondre. Ça, c'est une note pour moi-même, à ne pas confondre avec le salon noir sur Ormesson qui a lieu en novembre et qui a lieu à Ormesson, comme son nom l'indique, mais qui est aussi un salon polar. Alors, donc Coquelicot Noir, c'est la deuxième fois que j'y allais. L'année dernière, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. J'avais vu des auteurs que j'apprécie beaucoup. L'auteur phare, c'était Michel Bussy, où il y avait pas mal d'attentes. Mais après, pour les autres auteurs, c'était il n'y avait pas trop d'attentes, mais qui est-ce qu'il y avait l'année dernière? Maxime Girardeau, il y avait Alexis Leibsker, Claire Favan, Jacques Sausset, Max Monnehet, je sais plus. Je sais plus, mais vraiment une super grosse affiche. J'ai trouvé que cette année, c'était peut-être un peu moins des gros auteurs, mais c'était bien quand même. Puis ça reste le premier salon de l'année. Et la dernière fois que je suis allée à un salon, c'était le salon Noir sur Ormesson. C'est ça, hein? Enfin, non, il y avait Montreuil, mais Montreuil, c'est pas pour moi. C'est pas un salon pour moi, c'est un salon pour les enfants. Oui, c'est ça. La dernière fois, c'était à Noir sur Ormesson. Donc ça fait 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi sans salon. Voilà, ça me faisait beaucoup pour moi, hein, qui fait quand même pas mal de salons. Et donc ouais, hein, peut-être moins de grands auteurs, mais en tout cas des auteurs. Enfin, j'ai quand même bien préparé mon salon. Voilà, les lectures que vous avez pu voir sur mon compte Instagram, notamment ces derniers temps, bah, c'était principalement lié à ça, hein, donc j'espérais pouvoir y aller, j'espérais être en forme pour y aller. C'était pas gagné, mais c'est ça, voilà, c'était bon. En auteur phare, le parrain, c'était Caryl Ferret, mais je suis pas sûre que ce soit mon truc, donc je n'y suis pas allée. Il y avait Alexis Leibsker, qui étonnamment avait peu de monde. Alors moi, c'est un truc qui me paraît tellement fou parce que c'est pas pour moi ça. C'est quand même un auteur de folie. Jacques Sausset qui avait un monde fou. Enfin bon, voilà, je vais vous dire de toute façon avec les livres que j'ai pris. Il y a des auteurs dont je pourrais pas, enfin, dont je vous présenterai pas de livres parce que je suis à jour. Donc par exemple, quand on est arrivé direct à l'intérieur du salon, nous sommes tombés directement sur Nicolas Druard. Bon bah j'avais pas de livre, j'ai tout lu, j'ai tout est dédicacé. Qui est-ce qu'il y avait comme ça? Anouk Schouterberg, Petronille Rostagna. Voilà, deux autrices que j'apprécie beaucoup et où j'ai tout lu et tout est dédicacé. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres auteurs? Ah oui, Alexis Leibsker, comme je vous disais. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, sinon, dans les auteurs que j'ai vus, alors auteurs que j'ai vus mais je n'ai pas acheté de livre, il y a Jacques Sausset parce que j'en ai plusieurs dans ma palle, mais j'en avais un non dédicacé. Enfin, j'en ai plusieurs non dédicacés, mais bon, j'en ai profité pour le faire dédicacer. Donc, ça m'a permis de faire le point avec lui sur la série de Magne et Eslin et tout ça. Et en fait, donc j'en ai encore un à lire. Il est là. Décidément, mon chariot, là, chariot que vous entreapercevez, il est vraiment indispensable. Hein. Non, je vous sors un Claire Favan. Celui-ci. Donc, j'en ai encore un à lire, L'enfant aux yeux d'émeraude. Et j'ai mon marque-page. Ce marque-page est tellement précieux. À chaque salon, il en donne. J'arrête pas de lui dire, vraiment, je ne peux pas m'en passer parce que justement, quand on regarde sur Internet, il y a une erreur dans l'ordre de la série Magne et Eslin. Et suivre, c'est bien de les suivre dans l'ordre. Donc le 1, c'est Colère Noire. Je vous les donne là comme ça. En général, quand je les donne, on me dit tu peux me noter. Bon, écoutez, je vous les donne à l'oral. Je garantis pas que je serai très réactive s'il faut les donner à l'écrit parce que là, j'ai mon marque-page sous les yeux et quand je réponds aux commentaires, j'ai pas toujours les marque-pages sous les yeux. Mais je vous invite à prendre des notes si ça vous intéresse de connaître l'ordre. Donc en 1, Colère Noire. En 2, De Sinistre Mémoire. En 3, 4 racines blanches, en 4 l'enfant aux yeux d'émeraude, en 5 la pieuvre, en 6 ne prononcez jamais leur nom, en 7 sept treizième et en 8 du poison dans la tête. Et donc moi j'ai le quatrième à lire et le cinquième, la pieuvre, sortira en poche, mais je sais, mais c'était même pas chez Livre de Poche.
Ou alors il est déjà sorti en poche, mais il risque de pas être simple à trouver. Ça va être embêtant. Et là, il n'en avait pas. Et donc, il va falloir que je surveille au prochain salon. Et je crois que j'avais un autre auteur où j'avais emmené un livre. Oui, Nicolas Nuten. Voilà. Nicolas Nuten, comme deux gouttes de sang. Donc, j'étais très contente de le rencontrer puisque j'avais lu avant Disparition. Voilà. Il avait regardé ma petite vidéo, mon podcast lecture où je parlais de Disparition. Je disais que j'avais bien aimé, mais qu'après, ça avait pris un virage qui m'avait un peu moins plu. Et donc, il voulait savoir. Et oui. Pour ce qui m'avait moins plu. Voilà. Alors, après, en achat. Eh bien, en achat, ils sont là. Et il y a deux livres pour ma dernière de Salvatore Mini que j'ai pris. C'est les tomes 3 et 4 de Mystère en Belgique, édité chez Ozu Belgique. Elle aime bien. Bon, après, ça se lit plutôt bien pour elle qui est en train de lire le dernier tome d'Harry Potter. Ma dernière est en CE1, elle a un bon niveau de lecture. Elle a été prise de passion pour Harry Potter et entraînée par son frère, en fait, qui devait lire le tome 1 en CM2. Après, ma fille aînée avait aussi lu le tome 1 en CE1, comme ma dernière, mais elle n'avait pas été jusqu'au bout. Mais ça reste une très grande lectrice aussi, ma fille aînée. Et donc, bah voilà. Du coup, pour ma dernière, on est à la fois sur des livres là, Mystère en Belgique, ça va être totalement accessible pour elle, elle va les dévorer en peu de temps. Et puis des choses comme bah ouais, Harry Potter, c'est quand même le dernier, c'est un bon petit pavé. Et puis les deux premiers tomes de la série de Salvatore Mini, elle avait bien aimé. Donc j'ai demandé à Salvatore Mini comment on prononçait son prénom, et Salvatore ou Salvatore, et non, c'est Salvatore. Voilà, donc Salvatore Mini, et je ne me tromperai plus. Alors, Salvatore Mini, donc j'ai lu Claustration, mais je ne vous en ai pas encore parlé en épisode de podcast lecture. En revanche, je vous en ai parlé sur Instagram et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était une super chouette découverte. Donc, eh bien, je lui ai pris le deuxième. Alors, le deuxième qu'il a écrit, mais ce sont des one-shot à chaque fois. Donc, le deuxième qu'il a écrit, c'est Anamnèse et édité également chez Édition Plus. Et là, on est sur la version poche. Voilà. Donc, il a été sélectionné pour plusieurs prix. C'est ce qui est indiqué derrière. Sélectionné, mais il n'a pas eu de prix, a priori, c'est ce que je comprends. Voilà. Donc ça, c'est un achat. J'ai acheté un livre à Yann Manouk parce que je le vois beaucoup. Alors, c'est un auteur qui écrit sous 50 000 pseudonymes différents, dont des pseudonymes féminins ou pas, principalement masculins, je crois, mais il y a aussi des pseudonymes féminins. C'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a des auteurs notamment un que j'apprécie beaucoup, qui a priori a écrit au moins une fois sous un pseudonyme féminin. Je vous avoue que ça me pose question. Dans le monde du polar, les auteurs sont quand même principalement masculins. Ils sont très sympathiques, hein, en tout cas ceux que j'ai vus. Il y a des auteurs, des autrices qui sont aussi très très bien. Il y a le groupe Les Louves du Polar qui est génial pour découvrir des autrices. Moi, ça m'a permis de découvrir pas mal d'autrices. Enfin voilà, vous savez, je vous en parle depuis longtemps, j'en lis beaucoup. Je pense que ça se voit que je les soutiens, quoi. Voilà, donc. Et enfin oui, j'ai quand même lu pas mal d'autrices des Louves du Polar, et ça, les Louves du Polar, ça a permis une certaine visibilité pour les femmes qui écrivent des polars. Et c'est pas parce qu'elles écrivent des polars que leurs livres sont tout lisses, etc. Et en fait, ça me titille un petit peu parce que je me dis, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs masculins. Les femmes se sont regroupées, alors un certain nombre de femmes, pas toutes, mais dans ce groupe, les Louves du Polar, pour voilà, pousser la visibilité, etc. Dans les salons polars, on voit principalement des hommes et moins de femmes. Alors ça change, ça évolue peut-être, etc. Et puis je dis pas que les hommes disent non pour que les femmes arrivent, c'est pas du tout ça, mais bon, ça a pas l'air d'être non plus totalement. Tout ne coule pas forcément tout de source. Et donc, si en plus les auteurs masculins prennent des pseudonymes féminins et donc empiètent sur l'espace laissé aux femmes qui est déjà pas hyper grand, voilà. Alors certainement, si c'est fait comme ça, pour certains, ça doit être parce que c'est beaucoup plus vendeur et il y a plein de raisons. Certains livres doivent certainement, certains livres, quand c'est écrit par une femme, ça doit aider. Mais en fait, l'inverse me choquerait moins. Parce qu'une femme qui écrit sous un pseudonyme masculin, on peut se dire, ouais, bah, c'est parce qu'en fait, elle veut avoir de la visibilité, parce que sinon, on ne lui en laisse pas. Voilà, j'aurais tendance à raisonner comme ça.
un homme qui a déjà de la visibilité et qui écrit sous un pseudonyme féminin, ça me titille un peu. Voilà. Bon, ça faisait partie de mes réflexions de ces derniers jours. Écoutez, ça se trouve, dans un mois, j'aurai une autre. Alors, d'autres réflexions, oui. Peut-être qu'il y aura eu des choses qui auront alimenté cette réflexion, parce que voilà, j'ai pensé à ça ces derniers temps, mais ouais, ça me dérange un petit peu. Mais bref, bon. Je passe au livre de Yann Manouk. J'ai pris Yeroul Delguer, qui a priori sa trilogie qui se passe en Mongolie. Je lui ai dit que je ne le connaissais pas, que je voulais le découvrir. Il m'a dit le plus simple, c'est de commencer avec celui par lequel tout a commencé justement. Ce livre a reçu le Grand Prix des lectrices Elle Policier, le Prix SNCF du Polar 2014, le Prix Quai du Polar 2014, donc il y a 10 ans. Voilà, on est sur plus de 600 pages. Je ne vais pas vous dire que la Mongolie est un pays qui me fait rêver. Voilà. Pas forcément. Mais voilà. Bon. En fait, je me suis dit, peut-être que c'est pas la série et qu'il aurait fallu que je lise. Parce qu'en fait, j'avais une autre série en tête. En fait, c'est Laure Manel qui m'a dit, bah, vu ce que t'aimes, faudrait que tu lises du Yann Manouk. C'est pas forcément ce qu'elle me conseillait. Enfin, non pas que ce soit pas bien, mais c'est plutôt. Il a fait une série de islandaise qui est peut-être, qui aurait peut-être été plus pour moi. Et en plus, elle était un petit peu plus petite. Et là, on est sur un beau pavé. Donc, voilà. Bon, je vais voir. Je vais voir. Ça va être, je vais partir à l'aventure. Je vais sortir de ma zone de confort parce que, comme je vous dis, Mongolie, c'est pas forcément un pays qui m'attire, mais pourquoi pas? Et peut-être que c'est l'occasion de découvrir plein de choses. J'ai rencontré Danielle Thierry, enfin. Je la voyais sur plein de salons. J'avais très envie de découvrir ce qu'elle écrivait. Là, on est sur le premier tome d'une enquête de la commissaire Edwige Marion. Danielle Thierry, c'est l'une des premières femmes commissaires en France. Elle est née à la fin des années 40. Et du coup, bon, bah, je lui ai dit voilà, que je ne la connaissais pas, que j'allais la découvrir. Gna, gna, et voilà. Mais et du coup, je lui ai dit, bah, en fait, avant de venir vous voir, j'ai vu que vous étiez l'une des premières femmes commissaires. En fait, on en a parlé et elle m'a raconté plein de choses, plein de. Enfin, elle m'a raconté sa vie professionnelle. C'était captivant et j'ai adoré son état d'esprit. Parce qu'elle n'était pas là en train, elle en voulait pas aux hommes de, parce que ça a été difficile, mais en fait elle ne dit pas que ça a été difficile. En fait elle disait des faits. Elle disait voilà, au début le concours dans la police n'était pas ouvert aux femmes, ensuite ça a été ouvert aux femmes. Et une fois que, donc elle dit j'y suis allée. Et une fois que j'ai eu mon concours et que j'ai fait ma formation, on m'a expliqué que les postes, eh bien quasiment aucun poste n'était ouvert aux femmes. Il y avait juste un poste dans un service en particulier, qui n'était pas forcément ce qui lui plaisait, mais écoutez, bah, il n'y avait que ça, donc elle y est allée. Et puis après, bah, quand il y a eu la possibilité d'aller ailleurs, eh bien, elle l'a fait, etc. Mais quand elle explique ça, elle dit pas, non, mais parce qu'en fait, il nous empêchait de travailler, il nous empêchait. Non, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait pas. C'était des faits. Et en fait, elle n'explique pas que c'était compliqué, que. Non, elle explique que elle avait elle avait une envie, c'était travailler dans la police. Et pas n'importe où, parce que tout ne l'intéressait pas. Et que c'était pas possible au début. Mais petit à petit, ça l'a été. Et donc, dès que ça l'a été, elle y est allée, puis elle a essayé de tout faire pour, voilà. Parce qu'en fait, tout de suite, on disait, bah, les femmes, ce sont des petites choses, elles n'étaient pas armées au début, il faut les protéger, donc il faut toujours un homme avec elles, Et tout ça, bah, c'est pas ce qu'elle souhaitait, donc dès qu'elle a pu faire en sorte que ça pousse un petit peu, et que ça évolue, elle l'a fait, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé, en fait, son discours. Voilà. C'était pas en force, c'était pas par féminisme, c'était pas. C'est ce qu'elle voulait, et elle a réussi à obtenir ce qu'elle souhaitait et sans se battre physiquement,
Ça veut pas dire qu'elle s'est marché sur les pieds, hein. Enfin, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, ça, mais quand même, dans les hommes, il y avait aussi des incompétents. Hein. Des fois, elle dit, on nous considérait comme des incompétentes, mais dans les hommes aussi, il y a des incompétents. Bah oui, partout. Enfin, voilà, cette discussion pour moi a été très, très précieuse. Dans les salons, il y a toujours une discussion qui est super précieuse pour moi, et là, en l'occurrence, ben, c'était celle-ci. J'ai rencontré René Manzor. J'ai lu son tout dernier livre qui est sorti début janvier là. Je pourrais plus vous dire L'ombre des innocents, je crois que c'est ça, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et donc découverte de l'auteur, hyper cinématographique et tout ça. Et donc bah je suis allée le voir. Je ne savais pas qu'il avait autant de livres. Notre échange a été assez long parce qu'il m'a présenté longuement chacun de ses livres. J'en ai un dans ma palle. Que j'ai reçu en service presse, c'est, hop, que j'arrive à l'enlever, celui-ci, du fond des âges, mais en fait, quand je l'ai reçu, il était déjà dédicacé, donc je ne lui ai pas amené ce livre, et je voulais quand même le rencontrer, donc je lui en ai pris un, et donc, quand il m'a présenté tous ses livres, celui qui me tentait le plus, c'était celui-ci, À vif. Donc, je compte bien le lire. C'est un livre qui fait 400 et quelques pages, mais l'écriture, elle est vraiment. Enfin, je pense que ça doit être des livres qui se lisent assez vite. Livre qui avait reçu le Grand Prix de l'Iris Noir à Bruxelles. Michael Mention, ça fait plusieurs fois que je le vois. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais envie de découvrir ses livres. Il écrit que des livres de styles différents. J'ai choisi Power chez 10-18, qui se passe dans les années 60 aux États-Unis. Donc vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir. Nicolas Leclerc, deuxième rencontre. Deuxième fois que je le voyais. La première fois, c'était à Noir-sur-Ormesson. Je lui avais pris le manteau de neige que j'avais mis. Vraiment beaucoup aimé bah du coup je lui ai dit et je lui ai dit bah maintenant je veux continuer et donc il me dit ok bah voilà la bête en cage super sympathique il se souvenait un peu enfin voilà de deux trois choses et c'était chouette voilà c'était très chouette puis en plus c'était ma grande qui m'avait choisi qui avait choisi que je découvre cet auteur à Noir-sur-Ormesson. C'est quelque chose qu'on fait souvent lors des salons elle choisit un auteur à découvrir en fait là on a oublié de le faire bon c'était assez particulier il y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas 50 000 auteurs, mais en fait c'était long globalement parce que par exemple quand on était à Jacques-Saussay, il y avait juste des gens devant nous et juste une famille. C'était pas grand-chose parce que surtout Jacques-Saussay, il a eu pas mal de monde, enfin pas mal de monde, 5-6 personnes à chaque fois. Ouais, mais en fait la famille quand elle est arrivée, elle avait 7 livres à faire dédicacer, elle a discuté avec Jacques-Saussay, puis photos, etc. Donc bah ça prend un peu de temps et puis bah moi c'est vrai que je discute aussi avec les auteurs et donc globalement c'était long parce qu'on a pris le temps. Voilà. Et puis j'ai acheté Ineffaçable. Alors, je suis pas une grande fan d'acheter des grands formats en salon parce que les grands formats ça coûte cher, parce que j'ai beaucoup de livres à lire dans ma palle et que j'ai. Voilà, acheter un grand format, ça coûte deux fois plus cher qu'un poche. Ça veut dire que j'aurais pu acheter avec cet argent-là deux poches, voire deux, trois poches. Et c'est dommage parce que je les lis pas forcément tout de suite. Et parfois, j'achète un grand format et peu de temps après, il sort en poche. Donc c'est un peu ridicule. Voilà. Après, j'ai conscience que je reçois beaucoup de livres gratuitement de la part de maisons d'édition, donc des services presse. J'en ai reçu une trentaine là sur le mois de janvier et le mois de janvier n'est pas terminé. Donc voilà, j'en ai conscience. C'est ce qu'on appelle une collaboration commerciale. Je reçois ces livres, mais je ne suis pas rémunérée pour en parler. J'ai conscience que c'est une chance, etc., etc., etc. Mais du coup, mais j'achète aussi des livres. J'achète quand même beaucoup de livres. Alors j'achète des livres, mais du coup, j'achète aussi beaucoup de livres pour les enfants. Acheter du grand format en salon, c'est pas une idée excellente. Mais là, Clarence Pitts, ça faisait plusieurs fois que je la voyais. En plus, c'est elle qui a remporté le prix de ce salon, Coquelicot Noir, pour son tome 3. Si je me trompe pas, ça c'est le tome 1, Ineffaçable, ça me tentait beaucoup, voilà, je la voyais beaucoup. Et donc après, bah, en rentrant, je me suis abonnée sur son compte Instagram, et puis en fait, elle avait épinglé un post qui disait que ce livre allait bientôt sortir chez, je crois, Folio Policier, donc au format poche. Donc c'est nul de ma part de l'avoir acheté là, sauf si je le lis vite, et en fait, je le lirai bah, si je la vois prochainement au salon, et c'est pas dit que je la vois avant qu'il sorte en poche, donc ça c'est dommage, c'est dommage.
Alors, autre auteur que j'ai vu, j'ai fait rapidement un coucou à Mo Mallo avant de partir. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler, mais voilà. Et j'ai vu Antoine Renan. Et Antoine Renan, c'était l'auteur de ma lecture en cours. J'étais en train de lire fermer les yeux. Il me restait une soixantaine de pages, je crois, avant de le voir. J'avais pas réussi à terminer. J'avais pas réussi à terminer. J'étais. Je ne vous raconterai pas toute ma vie, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Surtout que je l'ai terminé le soir. Et en fait, ce livre était un coup de cœur parce que la fin était dingue. Et j'étais contente d'échanger avec lui. En fait, c'est le deuxième livre que je lis de lui. Le premier, c'était L'Empathie. Et L'Empathie, j'avais beaucoup aimé l'écriture. Et le sujet m'avait donné envie de vomir. J'avais vraiment eu du mal. Parce qu'en fait, on est sur des viols. Et pour moi, c'était trop. Voilà. J'ai mes limites en policier thriller. Je peux lire des choses. Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est réputé comme vraiment très gore de Franck Tillier. Je l'ai lu. Voilà, ok. Parce que des fois, quand on est sur du trop gore, ça, on voit que c'est pas vrai. Je sais pas comment dire, mais enfin bon. Là, ouais, j'ai plusieurs limites, j'ai plusieurs sujets où quand c'est trop, voilà, ça coince. Et donc L'Empathie, j'étais partagée parce que d'un côté, c'est le livre qui m'avait le plus donné envie de vomir parce que vraiment, ça allait trop loin pour moi. Et en même temps, l'écriture génialissime. Et là, d'en fermer les yeux, je retrouve son écriture génialissime et avec un sujet qui ne me donne pas envie de vomir. Ça ne veut pas dire que tout est soft, hein. Il y a quand même des scènes, voilà. Mais c'est tellement rien pour moi par rapport à ma sensibilité, par rapport à l'empathie. Vraiment, ce livre est dingue. Il est dingue. Il a une écriture qui accroche et une construction qui accroche. Il fait des sauts dans le temps de plusieurs années. Ce qui est hyper intéressant parce que du coup, les personnages, on les voit vachement évoluer. Et je m'étais fait la réflexion au bout de 150 pages. Oh, j'avais l'impression que j'avais déjà lu un livre super riche, en fait, qu'il s'était déjà passé plein de choses et tout. Ouais, que c'était presque aux 150 pages, je me disais, waouh, déjà, on est sur une histoire. Voilà. Et c'est assez rigolo parce que du coup, là, ça fait très rythmé et compagnie. Et en même temps, si je vous parle de Nuit Blanche de Nicolas Druart, qui est le premier livre que j'ai lu de cet auteur, que j'apprécie vraiment beaucoup aussi, eh bien, Nuit Blanche se passe sur une nuit, comme son nom l'indique, et on est sur un livre de 400-500 pages. Et j'ai pas trouvé ça lent non plus. Parce qu'en fait, il y a une tension, etc. Puis en fait, si on veut vraiment décrire ce qui se passe pour plusieurs personnages, seconde par seconde, 400-500 pages, oui, parce que seconde par seconde, etc. Puis on est dans un thriller, donc le temps s'étire, donc voilà, il y a plein de trucs. Donc en fait, c'est là où c'est marrant. Mais globalement, c'est vrai que ces histoires, je pense à un livre qui n'a rien à voir, de Josie Silver, Un jour en décembre, édité chez Charleston. On est plutôt sur une romance, donc rien à voir. Ce livre, il est excellent, excellent, excellent. Vous n'êtes pas obligé de le lire en décembre, hein. C'est pas forcément une comédie romantique de Noël. Mais en fait, on a des sauts dans le temps. Et je trouve ça, enfin, en fait, c'est une construction qui me plaît, ça. Et Antoine Renan me disait qu'en fait, bah, au final, c'est ce qu'il fait. C'est un truc qu'il fait dans ses livres, ces histoires de sauts dans le temps, comme ça, ouais. C'est une de ses marques de fabrique. Donc voilà, donc j'étais contente d'échanger avec lui parce que c'était l'auteur de ma lecture en cours. En général, quand je vais au salon, bah, je prépare les salons. Je vous avais fait une vidéo qui s'appelle Mon organisation pour les salons. Pas être plus clair au niveau du titre de la vidéo. Et donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'organise et tout, vous pouvez aller voir. Et quand je parle de l'organisation pour les salons, c'est bien en amont jusqu'au lendemain du salon. Et donc, bah moi, ce que j'aime faire, c'est lire pour un salon. Donc, les auteurs que je vois, bah du coup, je vais sortir les livres que j'ai dans ma palle et puis je vais en lire au maximum quand je les verrai. Là, pour ce salon-là, je vous avoue que c'était pas parfait parce que il y a deux, trois livres que j'aurais aimé lire pour ce salon dont j'avais les livres des auteurs, j'ai pas pu. Et comme souvent, justement, je ne peux pas aller jusqu'à lire tout ce que j'ai parce que j'ai souvent trop, j'ai d'autres choses à lire. Là, on a pas mal de sorties qui arrivent cette semaine, des sorties de livres. Donc, du coup, bah, ça arrive souvent que lors du salon, je sois en train de lire le livre d'un auteur qui est sur place parce que j'ai pas eu le temps de le terminer. Et ça me permet d'échanger avec l'auteur pendant ma lecture en cours. Et en fait, ça, j'aime bien aussi.
Voilà. Donc, en tout cas, fermez les yeux, je vous le conseille. Il est excellent, excellent, excellent. Et alors, rapidement, ce que j'ai lu ce week-end. Donc, ça, je l'ai terminé. Ça m'a accompagné vendredi soir. Je l'ai terminé samedi soir. Ensuite, j'ai lu 19 River Street de, Laure Rollier. Une petite contraction de prénoms et noms, génialissime. Donc là, ce que j'ai, ce sont les épreuves non corrigées chez Récamier. Il sortira le 8 février, génialissime, coup de cœur. Donc j'ai fait coup de cœur, coup de cœur. Je peux passer des semaines sans avoir un coup de cœur. Alors là, les deux, coup sur coup, c'est ce que j'aime lire. On est sur un roman choral. On suit principalement Maddy et Gabriel. Maddy a vécu un drame, voilà. Un drame dans sa famille, horrible, horrible. Des années auparavant, ça a détruit sa famille. Elle se retrouve à être toute seule à vivre dans une grande maison elle prend un locataire qui s'appelle Gabriel et on va connaître chacun leur vie. Gabriel aussi a des blessures en fait et du coup on va connaître chacun leur vie et en fait on est bien dans l'histoire, on se doute, on est sur un, on est dans la partie récamier noir donc on se doute qu'on est sur un policier thriller, enfin mais des fois, ça c'est quelque chose qui va titiller. C'est-à-dire qu'on est bien dans une histoire. On sait qu'on est sur un policier thriller. Ça peut être le cas de RJ et Laurie. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, c'est bien, on est bien. Bon, il va se passer quoi? Enfin, voilà. Là, on est sur un livre qui est très court. Il fait 270 pages. On n'a pas trop le temps de se dire, il va se passer quoi? Parce que ça y est, ça arrive, en fait. Mais on est bien dans cette histoire. Enfin, pour moi, il y a tous les ingrédients que j'aime. Voilà. Donc, c'était une découverte pour moi de cette autrice et trop, trop bien. Et puis après, j'ai lu... donc ça, je l'ai terminé dimanche matin, midi, je sais plus. Surtout que notre dimanche a été un peu particulier. On a mangé super tôt pour certaines raisons. Donc, j'ai peut-être fini en tout début de... Enfin, genre le midi, quoi. Et puis après, j'ai lu La ligne d'Icare de Grégoire Godinot. J'avais adoré Chanson blanche. La chanson blanche ou chanson blanche de cet auteur, la chanson blanche, aussi édité chez les éditions du Gros Caillou. Donc, il sort la semaine prochaine. J'ai bien aimé, il y a pas mal de rebondissements. J'aime bien l'écriture, j'aime bien la construction. On est sur, en plus, un jeu de piste avec un petit côté course-poursuite. Il y a des rebondissements, le dénouement, il est surprenant. Les dénouements, j'ai envie de dire. Mais j'ai un peu moins accroché que le précédent. Là, comme on le voit sur la couverture, on va partir avec des scientifiques. Mais au niveau de l'astronomie, là, on est sur la piste d'Icare, une lointaine comète. C'est moins mon truc. Voilà. Le sujet, c'est moins mon truc. Et le sujet, bah, ça compte aussi, mais ça, l'écriture, elle peut être top, les rebondissements peuvent être top. Si le sujet accroche moins, bah voilà. Et alors, c'est quelque chose... il est très bien. Il est très bien. Je ne dis pas qu'il n'était pas bien. Il est très bien, mais c'était moins mon truc. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte justement avec les Amish. Parce que les Amish, je les enchaîne. L'autrice ne change pas. Les personnages ne changent pas. Mais l'intrigue change. Le contexte change. Et selon les contextes, j'aime ou j'aime pas. Et pourtant, tout le reste est iso. Identique. Même autrice, même personnage. Globalement, même lieu. Initial, mais après, Amish, je peux, voilà. Et ben, selon justement le lieu, le truc, le machin, ben après, ça peut être un tome que j'apprécie plus ou moins. Donc, dimanche soir, j'ai tout juste commencé. Hein, Amish, vraiment pas grand chose. J'aime bien finir mes dimanches avec un tome d'Amish, mais là, bon, j'ai pas mal lu, mais c'est jamais assez. Donc, j'ai pas réussi à le caser entièrement dimanche soir. Mais dès que je l'ai commencé, ça m'enlève tout mon stress. Et là, j'avais un petit truc de stress parce qu'avec la semaine, avec les agriculteurs et tout ça, bah, je savais pas trop ce que... Voilà, je ne peux pas vous dire non plus comment ça va se passer chaque jour, je n'en sais rien, mais avec le blocage de Paris, voilà. Quand on lit, oui, de toute façon, on ne bloquera que les routes principales, il y a des itinéraires bis. L'objectif, j'ai lu plein d'articles. Hein. L'objectif, c'est pas que les gens mettent 4 heures pour aller travailler, enfin 4 heures dans la journée de trajet pour le travail. C'était à mourir de rire parce qu'en fait, dès qu'il y a un tout petit souci sur une route principale, un tout petit souci, c'est pas un blocage, tout petit souci,
On peut mettre 4 heures dans la journée, en fait, c'est notre quotidien. Ouais, c'est notre quotidien de région parisienne. Et donc en fait, nous dire, on bloque les routes, mais l'objectif, c'est pas d'embêter quand même les gens qui vont travailler. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans est-ce que c'est normal ou pas que les agriculteurs fassent ça et tout. Enfin, c'est pas le sujet du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est pas le sujet. Mais bon, j'avais un coup de stress en train de surveiller où est-ce qu'ils allaient bloquer parce qu'ils voulaient bloquer des autoroutes importantes pour aller sur Paris. Mais je les prends pour aller au travail. Et voilà. Donc, j'ai des jours de télétravail, mais il y a des jours aussi où je dois aller sur place. Voilà. Donc, s'ils bloquent une semaine, bah, je serais embêtée. Donc, j'étais un petit peu stressée. Et Hamish, le stress est parti. Donc, Hamish, mon partenaire dimanche soir. Voilà, bon, je m'arrête là pour l'instant. On se retrouve plus tard. Alors, je vous parle 2 minutes, parce qu'une minute par livre. J'ai reçu 2 livres. J'ai reçu L'amour fou, sous la direction de Caroline Valla chez les éditions Récamier, avec en auteur Amélie Antoine, Emmanuel Artero, Jacques-Olivier Bosco, Hervé Commer, Jacques Expert, Mathieu Le Serre, Jérôme Loubry, Laurence Perrin, Patrick Sénécal et Sophie Talmen, qui parlent de l'amour fou. Jusqu'où est-on prêt à aller par amour? Et donc, on a des nouvelles de chacun de ces auteurs, dont certains que moi, j'aime beaucoup. Voilà, premier livre. Merci, du coup, pour cet envoi. Et j'ai reçu de la part, enfin, ma grande a reçu de la part de Cyrus et Amélie Antoine, « Ne vois-tu rien venir ?» Donc, c'est mis un roman choc sur le mécanisme du harcèlement scolaire. J'avais échangé avec Amélie Antoine, c'était quand? C'était au festival Sans Nom, donc en octobre. Elle m'avait parlé de ce livre et puis ma grande était là et du coup, ça l'intéressait énormément. Un livre travaillé avec Emmanuelle Piquet, qui est du coup autrice de la postface, mais qui est spécialiste sur le sujet. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Elle est psychopatricienne, spécialiste du sujet. Voilà, donc on va suivre 2 adolescentes dans la même classe de 3e. On a une élève populaire, une nouvelle. Elles auraient pu devenir amies et c'est pas le cas. Et donc, on va avoir un cas de harcèlement. Et de ce que j'ai compris, en travaillant avec Emmanuel Piquet, quelque part, donc c'est un livre jeunesse pour ados, et donc ça peut aider les jeunes à trouver des clés, enfin, si je ne me trompe pas, ce qu'elle m'expliquait, ce qu'Amélie Antoine m'expliquait, c'est que la solution est en nous. Elle a écrit un livre sur le sujet du harcèlement qui m'avait beaucoup marqué, et on se retrouvait avec un ado qui était sans aide d'adulte. Voilà, les adultes étaient absents et il aurait voulu que les adultes fassent un pas vers lui, en fait, pour l'aider, et c'était pas le cas. Et donc là, il me semble, hein, je vous dis à vérifier, mais que Emmanuel Piquet explique qu'en fait les clés sont en nous, et donc au lieu d'attendre qu'un adulte fasse quelque chose, mais vraiment là c'était à mettre en colère tellement il faisait rien, mais bref, eh bien l'ado a des choses en lui pour pousser, en fait, pour s'en sortir. Et donc il y a une description des clés, voilà. Donc j'ai un petit papier dessus. C'est un livre qui sort le 1er février, tout comme l'autre, hein. Et donc, est-ce que je peux vous dire rapidement, parce qu'il y a toute une interview, mais oui, bah, dans la postface, Emmanuel Piquet analyse des mécanismes à l'œuvre dans le roman et donne des pistes pour stopper ou prévenir le harcèlement scolaire. Souvent, parler aux adultes ne suffit pas. L'idéal est d'aider la personne harcelée à se défendre par elle-même. En quelques mots, un roman poignant, 2 fins alternatives, voilà, ça j'aime bien, qui permettent de ne pas minimiser les conséquences dramatiques du harcèlement qui peut conduire au suicide, d'apporter l'espoir nécessaire et d'aider directement les personnes harcelées en mettant en scène une manière de s'en sortir. Donc ça, écoutez, ma grande va le lire et après je le mettrai entre les mains de mes 2 autres enfants quand ils grandiront. Voilà, allez, à plus tard. Hello, on se retrouve pas très longtemps parce que j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai avancé le Hamish Macbeth hier soir, j'ai avancé mais j'ai pas terminé.
C'est dommage, c'est un livre que je pensais lire dimanche, enfin j'espérais le lire dimanche après le goûter jusqu'au soir et voilà, ce serait terminé. Eh bien non, parce qu'hier j'avais des trucs, hier soir j'avais des trucs avec ma dernière et du coup ça a tout désorganisé derrière et ça empiétait bien sur la fin de journée et puis après j'étais fatiguée et je m'endormais. Et donc voilà, il me reste 62 pages. Alors c'est toujours bien. Voilà, moi je passe toujours beaucoup de bon temps avec ces tomes d'Hamish Macbeth. Là j'aime bien parce que j'aime bien l'ambiance et tout. Puis en fait, elle arrive, MC Beaton, à recréer ces ambiances de huis clos, de grandes maisons, de chouette ambiance, mais dans des lieux différents. Voilà. Et donc, elle arrive à avoir à chaque fois un prétexte différent pour que Hamish aille sur ces lieux-là. Et ça le fait, je trouve. Enfin, donc, le schéma est assez classique, mais malgré tout, bah, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas le même lieu exactement. Et puis, il y a la vie privée d'Amish qui avance, qui change, qui bouge. Donc, voilà, moi, je reste très, très, très attachée à cette série. Et je continue à beaucoup aimer Amish. Voilà, donc là, je suis sur la fin, mais je sais pas encore qui c'est. Et puis j'aime bien aussi l'évolution. Alors j'aime bien l'évolution d'Amish en tant que personnage dans sa vie privée, vraiment vie personnelle. J'aime bien aussi l'évolution d'Amish dans sa vie professionnelle. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Amish a pas trop d'ambition. Donc il pousse pas trop les choses. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Et puis je suis dans la série. Alors je l'ai pas à côté de moi. Parce que. Parce que. Mais je suis dans la série La saison des débutantes. Donc je suis au tome 3, qui n'est pas à côté de moi, qui est déjà dans une case pour vous en parler dans un podcast lecture, parce que je l'ai bientôt terminé. Je pense le terminer, j'ai de la route aujourd'hui, et je pense le terminer sur le trajet, parce que c'est mon livre audio. J'avais fait déjà les deux premiers tomes en audio, et ça passait trop bien, j'aime beaucoup. Là, le tome 3, pareil, à nouveau, ça passe bien. J'arrive bien à être accrochée au livre audio. Enfin, c'est pas tout le temps le cas. Mes livres préférés, jamais je mettrais un excellent polar en audio parce que j'aurais trop peur de passer à côté d'un truc et de pas le savourer de la même façon. Mais j'aime bien mettre des livres que je considère plus légers, ce qui n'est absolument pas négatif dans ma bouche, hein, pas du tout. Mais un livre plus léger qui fait du bien, etc. Des livres. En fait, les polars, j'aime bien les lire en papier. Mais un livre de littérature contemporaine, selon le sujet, etc., parce qu'un polar peut être de la littérature contemporaine, mais en dehors des polars, j'aime bien. En audio, c'est-à-dire Karen Ponte, Lorraine Fouchet, un Julien Sandrel, ça pourrait être très bien en audio, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, voilà, j'apprécie vraiment beaucoup. Les MC Beaton, je les avais passés en audio, notamment dans mes tout premiers livres audio, il y avait les Agathe Harrison. Mais là, je pense que je vais reprendre plaisir à les lire. Là, j'avance comme une folle dans les Hamish, en essayant de faire un Hamish par semaine, etc. Donc, à un moment donné, je vais être à jour, donc je reprendrai Agathe Harrison. Et j'en suis où? Non, ça c'est un tome de. Non, les Agathe Raisin, ils sont encore là-bas. Ils sont pas dans ma pile urgente. je sais plus, 29, 29e tome, je crois. Là, je pense que je le lirai en papier. Mais ouais, il y a des livres qui passent bien en audio. Et cette série, c'est le cas. Il y a 6 tomes pour l'instant. Donc aujourd'hui, je vais terminer le tome 3. C'est Delilah, la romantique, je crois. Est-ce qu'il y a un petit récapitulatif? Félicité l'intrépide, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est Fiona la rebelle. Les deux premiers étaient très chouettes. Le troisième, c'est Delilah la romantique. J'aime bien ce tome. Le 4, Clarissa l'étourdie. Et celui-là, je pense que je vais le commencer aujourd'hui parce que j'ai un trajet aller, j'ai un trajet intermédiaire et j'ai un trajet retour. Je confonds tous les mots en ce moment, ça ne va pas. Et sur le trajet intermédiaire, je pense que c'est là où je vais changer de livre audio. Je vais passer du tome 3 au tome 4. Le tome 4, il fait 227 pages. Je ne le finirai quand même pas aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Mais voilà. Et quand je suis en télétravail, ce que j'aime bien faire, c'est écouter le livre audio, un livre audio quand. Alors,
un bout d'un livre audio, pas un livre audio en entier, mais quand je me prépare, voilà, quand je m'habille, quand je me coiffe, quand je me maquille, j'aime bien avancer mon livre audio et puis quand je prépare mon petit déjeuner, enfin voilà. Donc ça fait partie de mes petits rituels. Donc je suis très MC Beaton en ce moment parce que je suis dans Hamish Macbeth et je suis dans la saison des débutantes et ça me va plutôt bien. Voilà, une fois que j'aurai fini ce Hamish Macbeth, eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas. J'hésite. Bah non, en fait, si, je sais. Bah si, je sais. Si. Parce que demain, je dois lire un livre avec Isabelle, d'Isabelle Lecture. Donc, si, je sais, c'est celui-ci. C'est le tome 9 de Son espionne royale, avec cette couverture pas du tout de saison. Très automnale. Donc, Son espionne royale et les conspirations du palais. Voilà. Vu le titre, j'espère qu'on sera bien dans une ambiance que j'aime bien. Et donc, après interrogation, parce que ces deux livres-là sortent jeudi, La meilleure écrivaine du monde de Jonathan Verber, fils de Bernard Verber, franchement, ça me plaît trop, le sujet me plaît trop. Et puis le nouveau livre de Sophie Jomin, Et viva la vida, chez Charleston. Sophie Jomin, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Et là, en plus, on est sur un livre qui fait même pas 300 pages. Donc, ça devrait se lire vite. Celui-ci, il est un peu plus gros, 360 et quelques, mais ça reste raisonnable. Donc, après, enfin, l'idée, dans l'idéal, mais en ce moment, je vois, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Donc, je pensais vraiment, vraiment que j'aurais pu le finir dimanche soir et même que j'aurais pu lire autre chose. Enfin, moi qui vous ai fait des astuces en vous disant c'est important de bien se connaître en tant que lecteur, de savoir quand est-ce qu'on peut lire et tout ça, et notre rythme, et comme ça on n'a pas de frustration. Là, franchement, si je vous dis le nombre de livres que j'ai lu sur le mois de janvier, vous allez vous dire c'est pas possible, elle a lu énormément. Mais petite frustration parce que je m'étais fait un film, je crois. Je pensais que j'allais lire plus que ça, et c'est pas le cas. Mais il n'y a pas de gravité, hein. C'est pas grave du tout. C'est juste que je sais pas, je me suis mal débrouillée. Donc, dans un monde parfait, celui-ci, je le termine demain, mercredi. Puis, je lis ce livre en entier, mercredi. Je vous dis, on est dans un monde parfait. Ensuite, je lis l'un ou l'autre jeudi soir. Bon, bah, enfin, rien que là, c'est pas possible. Bon, je commence un de ces livres jeudi soir, je finis vendredi. On va dire ça. Je finis un petit bout de vendredi. Ah ouais, mais attendez, ça va pas le faire parce que... Bon, je finis ce que je vous dis et après je reprends. Et donc, vendredi, lecture commune autour du Signal de Maxime Chattam, beau pavé. Et là, ça va me prendre plusieurs jours, 900 pages. Donc, je terminerai dimanche. Si je peux le terminer dimanche avant de prendre le goûter et du coup, après le goûter... Je me fais un petit tome de Hamish Macbeth, le tome 12, ça pourrait être chouette. Et donc, en fait, oui, ce que je vous dis, ça va pas. En fait, il ne faut pas que je case un livre jeudi. Donc, je pense que là, les livres dont je vous parle, c'est chaos pour jeudi. Parce que, donc, mercredi, c'est le dernier jour du mois. Donc, je termine celui-ci, parce qu'aujourd'hui, je pense pas avoir le temps. Et je lis celui-ci qui... Peut-être que tout passe mercredi, sinon ça dépasse un petit peu jeudi. Jeudi premier, eh bien, on a une lecture commune autour de l'autobiographie d'Agatha Christie. Et j'ai fait un découpage pour lire environ 30 pages par jour. Donc, 30 pages ne remplace pas. Enfin, je lis en général un soir quand je travaille, je lis 150 pages minimum. Ces derniers temps, j'ai été bien au-delà. Donc 30 pages, ça ne me prendra pas toute la soirée, mais quand même, faut pas que je me dise que je vais lire un livre entier non plus. Donc faut que je vois. Donc à partir du 1er février, tous les jours, j'ai 30 pages à lire d'une autobiographie. C'est pas écrit très gros non plus, ça va pas être moi qui fais du minimum 60 pages par heure. Là, ce sera peut-être un peu moins que ça quand même, parce que les pages, elles sont bien remplies de mémoire. De mémoire. Voilà, mais ça va être chouette parce que ça me dit bien. Ça me dit bien de lire l'autobiographie d'Agatha Christie. Donc j'avais lu une grosse partie il y a 13 ans, mais j'avais pas terminé. Il me restait un petit bout. Voilà, j'avais été un peu déçue par rapport à mes attentes. Maintenant, je ne peux pas être déçue puisque je sais ce qu'il en est. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller à la source. Voilà.
Une autobiographie, y a rien de mieux. Voilà. Même si la dernière biographie que j'ai lue était vraiment très très bien, mais clairement, je pense que je vais me régaler avec l'autobiographie. Voilà, bah voilà, c'est tout. En fait, si j'avais deux trois trucs à vous dire. On se retrouve plus tard. Et en l'occurrence, ce soir, je croise les doigts pour vous montrer un événement. Je croise les doigts parce que bon côté agriculteur, ça avait l'air d'aller, mais ils se déplacent et j'espère ne pas être embêtée. Et puis en fait, grosse surprise, le souci qu'il aurait pu avoir sur la route hier si j'avais dû aller sur place hier, mais j'étais en télétravail heureusement, mais en fait le gros souci c'était plutôt les taxis avec une opération escargot et un blocage complet d'une route en l'occurrence, celle que je prends habituellement. Mais bon, je sais qu'il y a eu plusieurs trucs en France et notamment mon frère, bien bien loin de chez moi, a été très très embêté. Voilà, bon allez, on se retrouve bientôt. Alors, je vous reprends rapidement parce que là le vlog est déjà un peu long, mais on va parler d'hier. Donc hier soir j'étais invitée chez les éditions Récamier, donc dans les locaux du grand groupe Editis, et nous avons rencontré Laure Rollier pour parler du livre 19 River Street qui sort le 8 février. Et j'ai eu la chance de le lire parce que j'avais les épreuves non corrigées, donc j'ai lu ce week-end et il était trop bien, c'était un vrai coup de cœur. Donc j'étais ravie de rencontrer l'autrice, ravie de pouvoir échanger avec elle sur ce livre que j'ai tant aimé. Enfin voilà, c'était très très chouette. C'était un moment sympathique, convivial. Voilà, un échange avec l'autrice et puis après une séance de dédicace. Mais comme je l'avais lu et que moi je comptais bien spoiler le livre et que peu de personnes l'avaient lu, eh bien j'ai attendu le moment de la dédicace pour spoiler. Tout simplement. Alors aussi que peu de personnes l'ont lu, parce qu'en fait on était peu à avoir reçu les épreuves non corrigées. Voilà, donc voilà, ça arrive, donc peu avaient la possibilité de le lire, etc. Ou, enfin, bon. Ça arrive quand même souvent dans les événements littéraires qu'il y ait beaucoup de personnes présentes qui n'aient pas lu le livre dont on va parler, soit parce qu'on ne l'a pas eu avant, ce qui peut arriver, comme là, soit parce que les personnes lisent plus ou moins, et voilà. Et puis après, on est différents, on est tous différents par rapport à ça. C'est vrai que moi, j'aime bien quand je vois un auteur avoir déjà lu des livres de l'auteur, pouvoir lui en parler. Enfin, c'est aussi comme ça que je prépare les salons, mais j'ai conscience que c'est assez scolaire et que pour certains, c'est beaucoup trop. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve à avoir dans les événements privés beaucoup de personnes qui n'ont pas lu l'auteur qui est présent, et les personnes en profitent comme ça. Et puis ces personnes-là vous diraient que du coup ne connaître aucun des auteurs qu'elles voient en événement littéraire leur permet d'avoir envie de découvrir les livres, parce que c'est vrai qu'un auteur, quand il parle de son livre, ça donne toujours très envie de le découvrir. Voilà. Mais bon, du coup là, c'est vrai que comme on était peu à avoir reçu les épreuves non corrigées, je comprends. Mais en tout cas, c'est un livre qui se lit vraiment très vite. On s'accroche bien, enfin, on est bien accroché dans l'histoire et puis assez déroutant. Et en fait, l'autrice expliquait que quand elle écrivait, elle avait toujours le dénouement en tête. Et bon, j'ai pas osé poser la question pour certaines raisons, même si ça spoile pas, mais en fait, pour moi, dans ce livre, il y a plusieurs dénouements. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'elle a tous les dénouements en tête? Et en l'occurrence, oui. Et ce livre est très très fort parce que vous allez avoir un double effet. Vous allez avoir une fin où vous dites non, non, mais quel retournement de situation, c'est dingue, non. Et puis ensuite, poum, vous avez un autre truc qui vous scotche en fait. Voilà. Donc c'est assez fort. Bon, je peux pas vous raconter le livre, je peux pas vous spoiler. Il y en a qu'un qui a eu cette chance, c'est mon mari. Le pauvre, hier, je suis rentrée, je lui ai expliqué, enfin, je lui ai dit, ah, c'était bien ma soirée, hein. J'ai dit, non, mais ce livre, faut vraiment que je t'en reparle. Et donc, pff,
J'ai passé 3 heures à lui expliquer, eh bien, le livre, le pourquoi, du comment, ce qu'il y a, pourquoi il m'a scotché, pourquoi il est trop bien, pourquoi il faut que je découvre les autres, pourquoi, voilà. Et en l'occurrence, donc c'est le 5e livre de l'autrice, et ces deux derniers, Le disparu de Nantucket et L'ombre du lac, sont aussi du polar, en fait. Après, ça dépend ce qu'on met dans le polar. Est-ce qu'on considère que le polar, c'est uniquement les romans policiers, ou est-ce qu'on considère que le polar, c'est les romans policiers, les thrillers et les romans noirs? Moi, j'ai tendance à avoir cette dernière définition, et donc, parce que là, on n'est pas vraiment sur du roman policier, mais on a également parlé du coup hier soir du disparu de Nantucket et de L'ombre du lac, et donc j'ai trop envie de les lire, et voilà, du coup j'ai hâte, et ils existent en format poche avec des couvertures trop belles de ce que j'ai vu. Voilà, donc ça c'était trop bien, et puis et bien sinon, que vous dire d'autre? Et bien voilà, on est sur la fin du mois, du coup bah, comme ce que je vous disais, je vais finir mon tome d'Amish là, qui traîne un petit peu. On est loin du petit Amish du dimanche soir. J'ai vraiment pas beaucoup lu en ce début de semaine. Ensuite, je lirai Son espionne royale, que je compte bien finir aujourd'hui. Et donc, je prépare mon bilan du mois. Donc, je vais être à 28 livres lus. Ou écoutez. Ce qui fait beaucoup, je vous avais parlé dans un vlogmas que voilà, j'allais certainement arrêter les bilans lecture parce que il y avait un côté voilà, j'ai lu tout ça et j'aimais pas le côté un peu le côté ouais, vous avez vu, j'ai lu ça, comme si j'en mettais plein la vue alors que c'est pas ça. Et donc du coup j'ai fait un bilan de décembre un peu dans cet esprit-là, dans le fait de plus mettre le nombre de livres que je lis. Et en fait je reviens sur ma décision, je vais mettre un bilan lecture avec le nombre de livres que j'ai lus. En fait vous avez été beaucoup à réagir sur ma vidéo sur les astuces pour lire plus. Il y a notamment un commentaire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché sur le souvenir de quelqu'un qui n'avait pas assumé son nombre de livres plus jeune et qui pourtant avait eu des remarques. Et ça m'a beaucoup touché, en plus ça allait déjà avec une réflexion que j'avais. Et en fait, bah écoutez, j'ai lu 28 livres, je vais pas le cacher, j'ai lu 28 livres, voilà. En fait, j'ai envie de faire des bilans un peu plus chiffrés, un peu plus marqués sur certains points, notamment parce que Babelio a énormément amélioré ses statistiques sur le début de l'année. Et en fait, ça permet d'aller plus loin sur des choses qui m'intéressent, comme l'auteur qu'on a le plus lu, la nationalité qu'on a le plus lu, etc., etc. Et j'ai envie d'aller vers tout ça. Et si je veux aller vers un bilan chiffré qui est... Alors, pour certains, les chiffres, c'est nul. Il y en a marre des chiffres, on n'aime pas ça et tout. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, c'est mon quotidien, c'est mon boulot, c'est ma nature, parce qu'un chiffre ne ment pas. Voilà. Et donc, j'ai toujours besoin de chiffres pour me rendre compte que de la réalité. Parce que c'est neutre et voilà. Et ensuite, l'interprétation ne l'est pas, n'est pas neutre. Mais voilà. Et donc, si je veux faire un bilan chiffré et que je cache le nombre de livres que j'ai lus pour pas en mettre plein la vue ou je ne sais quoi... C'est ridicule parce qu'en fait, l'objectif n'est pas là. L'objectif n'est pas là. Et en fait, quand je vous dis... Enfin là, je vais préparer ça et je vais vous dire... Voilà, j'ai lu 28 livres. Mes deux coups de cœur, ce sont ceux-là. Et il y aura lui dedans. Et ben, pour moi, ça a aussi de la valeur, en fait. Enfin... Parce que vous allez voir tous les livres que j'ai lus, puisque je vais faire une photo. Bah du coup, ça c'est une façon de dire, c'est les deux que j'ai préférés bien plus que tous les 26 autres. Donc voilà, pour moi, c'est une indication aussi. Et voilà, donc je vais mettre ça. Comme je vous dis, j'ai pas toujours des retours très bienveillants. Quand je dis ce que je lis... Tant pis, ça ne plaira pas. Il y en a certains qui me diront que je vais mentir, que c'est pas possible, que je m'organise. C'est pas une histoire d'organisation, c'est du mensonge, que forcément je travaille dans ce milieu-là. Enfin voilà. Des gens qui me suivent peu et qui, du coup, se font des idées très vite, qui manquent de recul sur les choses. Bah voilà, je vais certainement prendre tout ça, mais derrière, en fait, c'est ce que j'ai envie. Et vraiment, c'est pas une histoire d'en mettre plein la vue ou pas. Non, c'est que.
derrière, pour moi, c'est un bilan chiffré. J'ai lu tant de livres, j'en ai tant de livres papier, tant de livres audio, tant d'hommes, tant d'auteurs, tant d'autrices. Ça, c'est quelque chose que j'aime regarder aussi. Enfin, tant dans cette catégorie-là. Je pense que j'ai lu beaucoup de polars, mais j'ai pas regardé encore et je pense que c'est pas mal. Enfin, mais combien? Et donc, du coup, combien sur 28? Enfin, voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Donc, je pars sur ça. Je préparerai mon armure, mon casque, quand je posterai ma photo, et puis bah, on verra. Mais c'est. Enfin, on verra. Non, mais je veux dire, c'est ce que j'ai envie de faire, donc mince, en fait. Voilà. À l'âge que j'ai, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc je reviens sur ce que je vous avais dit en décembre, parce que je vais faire donc un bilan chiffré, mais un bilan un peu différent quand même d'avant, parce que là je me dis dans ce que j'ai lu, je ferai certainement donc mes deux coups de cœur. Je mettrai en avant le livre qui m'a le plus énervée. Vous n'allez pas être surpris. Une biographie que j'ai adorée. Enfin voilà, l'autrice que j'ai le plus lue. Donc ça, je vais plutôt mettre comme ça des petits. Enfin c'est pas des petits tops, mais des points marquants qui changeront chaque mois, parce que je vais pas avoir chaque mois un livre qui m'a énervé, je vais pas avoir lu chaque mois 5 livres d'une même autrice, hein, voilà. Et donc le mois prochain, ce sera peut-être le livre qui m'a fait le plus voyager. Ce mois-ci, c'était Nini, hein, parce que je suis vraiment tombée sur un livre comme ça. Bon, bref, voilà. Bon, j'ai plein d'idées, mais ça, on n'est pas encore tout à fait la fin de journée, donc je mettrai ça tout à l'heure. Voilà. Bon, et ben maintenant, je reprends toutes les activités des enfants et à plus tard. Et du coup, je me rends compte que j'ai pas du tout clôturé le vlog d'une façon habituelle. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, de très bonnes lectures et tout ça. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve bientôt. Voilà. Bonne lecture, à bientôt.